mon chien t'a batté. Si t'es ici, alors, qui c'est qui est là-dedans? Waouh, blaireau! Désolé, mon pote, tu peux pas rester. Allez, va-t'en. Très bien, t'es un colocateur, mon vieux. Allez, Lisa, il doit bien y avoir un truc pour le faire sortir. Eh bien, si j'en crois que mangelesblaireaux.com, les blaireaux se nourrissent principalement de mulots, de belettes et de marmottes. Mulot. C'est une sorte de rat, Bart, on les trouve pas en conserve. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il y a écrit maïs sur la boîte. Faut toujours que tu me rabaisses. J'ai trouvé. Il arrive parfois que des blaireaux mangent des pivers faute de mieux. Parfait. Hé, attends, je peux t'emprunter ton pic? Si tu veux, mais il faudra le ramener à 6h, c'est son anniversaire. D'accord. L'a-t-il lâché ton pain? Non, il y a un blaireau là-dedans. Un blaireau, mon œil, c'est sûrement Milouze. Milouze. Ah, mon Dieu! C'est un blaireau, c'est sûr. Ou peut-être même un tigre. T'as de la dynamite dans ta chambre? Détonne. Non, papa, ne le tue pas. Fais venir SOS Animaux. Bonne idée, Lisa. Ensuite, j'appellerai le docteur pour ça. Comment un blaireau a pu faire ça sans déchirer ta chemise? Je sais pas, demande-lui.